à tous. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de déboucher mes toilettes. Donc, l'eau de la douche ne s'écoule plus. Et donc, pareil, étant donné que les deux sont liés, les toilettes s'écoulent très très mal. Donc, on va tester le débouche-tout. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a acheté vraiment il y a très longtemps. Voilà, c'est même de 2008. On l'avait acheté à la foire de Paris. Donc, voilà. Donc, le but, c'est de pouvoir déboucher les canalisations. Donc, c'est quelque chose que l'on doit insérer dans la canalisation. Donc on y trouve le débouche-tout avec des systèmes de fixation et un petit tube. Donc là on voit ce qu'il ne faut pas faire et là on voit ce qu'il faut faire. Donc on a des colliers de fixation, des systèmes pour pouvoir les brancher à des systèmes de jet d'eau et là peut-être pour pouvoir brancher à des robinets. Donc il y a différents systèmes. Donc grosso modo, c'est une vessie qui va grossir et qui va envoyer un jet haute pression. Et finalement, ça va repousser le bouchon. Donc par exemple, on peut se connecter à des robinets et ça permet d'être utilisé en mini nettoyeur pression. Donc là, je suis branché à l'arrivée d'eau. Donc là, j'ai mis cet embout qui est fourni. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre carrément le débouche-tout à l'intérieur. Et c'est parti. Donc là, on va tirer une chasse d'eau pour voir si ça s'est débouché. Donc finalement, on est au même point, on va faire une deuxième tentative. Donc voilà, en tout cas, moi me concernant, cela n'aura pas marché. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu cette nuit. Et finalement, il n'y avait aucune chance que ça marche. Pas que le produit soit de mauvaise qualité, mais en fin de compte, le problème était la configuration de ma tuyauterie. Donc personnellement, je pense que pour que ce produit fonctionne, il y a quand même des conditions à respecter. Donc là, c'est mon WC. Là, c'est ma salle de bain. Et là, j'ai une salle de bain à l'étage. Et finalement, ces trois salles ont la même conduite. Ils ont une conduite liée. Donc si le bouchon s'était situé ici, bah finalement le produit aurait pu le pousser. Seul problème, c'est que le bouchon n'était pas ici, mais le bouchon, il est plus loin. Le bouchon doit certainement se situer après. Et surtout, le gros problème, c'est que l'eau que j'injectais, bah finalement, elle allait se retrouver dans la salle de bain. Donc l'eau au niveau de la salle de bain commençait à remonter. Donc ça n'avait vraiment aucune efficacité. Par exemple, ce produit aurait été efficace uniquement si le bouchon s'était situé au début. Donc voilà pourquoi c'est un échec ce produit me concernant. Donc vous aussi, si vous êtes intéressé par ce produit, réfléchissez bien à votre configuration. Donc moi, je me retrouve toujours avec mon problème de bouchon. Donc là, je vais passer à l'étape numéro 2, qui est le furet. Donc là, j'ai commandé un furet, je vais le recevoir normalement dès demain. Donc si vous avez des techniques ou des produits vraiment naturels pour retirer les bouchons, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc voilà, donc moi je vous dis à très bientôt.